Ça faisait un petit bout de temps en plus que je voulais le tester, Neon Abyss. J'en ai profité parce qu'il était en solde, 4,99€ pendant les soldes, sinon c'est 19,99€. Donc, eh bien, on va pouvoir le tester. Nouvelle partie, let's go! Et évidemment, vous commencez à me connaître un petit peu. C'est un roguelike d'action. Voilà, facile, ordinaire. J'ai joué à quelques roguelikes. Oh, allez, vas-y, extrême. On est comme ça, nous. J'ai déjà joué à beaucoup de roguelikes, donc dans les faits. Je suis Hadès. Le groupe Titan s'est emparé de la plupart des pouvoirs et détruit notre famille. J'ai besoin de combattants comme vous pour atteindre un terme au règne de Titan. Si vous savez, on se buvait. Boire. Ça faisait un bout de temps que je voulais le tester celui-là. Pièce par de bonheur en or. Ah, c'est un twin stick shooter entre guillemets, c'est-à-dire que du coup je tire avec mon joystick droit et je me déplace avec le joystick gauche. D'accord. Ah, c'est sympa. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il est disponible sur pas mal de plateformes. Alors là, je le teste sur Steam Deck, mais il est disponible un peu partout. Nintendo Switch, GeForce Now, PS4, Xbox One et Windows. Il est sorti en 2020. Je rattrape un peu les jeux que j'ai pas pu faire. Un peu partout. Les objectifs peuvent avoir des pouvoirs spéciaux. Oh! Oh, c'est sympa ça! Ok. Badge de puissance augmente la cadence de tir. Oh, c'est chouette! D'accord. Allez, plus de cristaux. D'accord. D'accord, je viens de capter. Ok, je viens de capter. Ah, c'est très bizarre parce que du coup, tu sautes avec le joystick gauche. Attends. Attends, est-ce que je peux récupérer le cœur? Oui. Ouais, je suis à full cœur, c'est bon. Ces yeux cloront pour donner naissance à différents familiers tout au long de votre aventure. Oh, c'est amusant. On a des petits Yoshi qui nous suivent. Vous pouvez configurer les paramètres dans le... Non, c'est bon. Ok, donc ça doit être le point de téléportation. Ok. Ok. Que des pieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Calme-toi. Aïe, vache. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de frame d'invincibilité quand je saute. Badge de force augmente les dégâts d'armes. Ok. J'aime beaucoup, c'est super nerveux. C'est super sympa en termes de direction artistique. J'aime beaucoup le pixel art du jeu. Il a l'air d'avoir beaucoup de choses dans tous les sens. Je suis pas déverrouillé. Ah si, j'avais une clé. Ok, j'avais une clé, j'en ai plus. Oh. D'accord. Mais le chat, il me fume. Et donc du coup les familiers, il y a un moment où ils vont éclore, hein, si j'ai bien compris.
Comment je suis mort? Comment je suis mort? Oh, qu'est-ce qui... Attends, quoi? C'est quoi, ça? Salle secrète. Ah, mais c'est les trucs que j'ai trouvé. Salle de machine à pince. J'en ai que deux. C'est quoi, Scratchy, dis-moi? Il s'appelle comment? Salle secrète. Cascadeur. Ah, d'accord, je déverrouille des trucs au fur et à mesure. Waouh, beaucoup de choses. Ok. Et du coup, j'arrive au bar. Ah, c'est amusant. Améliorer. D'accord, ça, c'est les cristaux. Difficulté difficile. Utiliser l'ascenseur. Danser. Ah, il y a Daft Punk. Personnage. Ah ouais. Ah, attends. C'est amusant, ça. Ah, c'est sympa. Statue a été cassée, ça doit s'améliorer. Je vais regarder. Ah, il doit y avoir des seeds, ok. D'accord. Attends, je vais essayer ce personnage-là. Voyons voir. Sous-sol. Ah, c'est toutes les armes, ça. Ok. Bar, labo. Voilà, c'est tout ça, c'est tous les ennemis. Ah bah, je pourrais pas scratcher, alors. Je pourrais pas aujourd'hui. Non. Non. Ok, donc j'ai juste à faire ça pour aller lancer une nouvelle game. C'est ça. Ok. J'aime bien ce petit côté néon aussi. Deux cristaux. Ok. Ah, c'est avec les points aussi. Oh, c'est quoi ça? Compétence n'est pas prête. Ah, j'ai des compétences spéciales avec elle. Allez, d'accord. Wow. Attends, je préférais l'autre en fait. Ah, je peux sauter avec la touche ZL. Ok, c'est bien. Ça m'arrange. Parce que sauter juste avec le joystick, ça m'aurait embêté. Oh, la petite musique en mode Daft Punk aussi. J'aime beaucoup. Hello, Sucky Dark. Ok, deuxième cristal. Est-ce que je peux faire sauter le truc là-haut? Attends. Si, je veux. Ok. Ah, il me faut une clé pour ouvrir ça. Ah, tiens. Ok. On va pas mon préféré. Hein. Je sais pas, Sirena, je sais pas ce que c'est, je regarderai. Oh, c'est quoi ça? Attends. Oh. Ok. Faut que je regarde. Faut que je regarde ce que c'est. Waouh. Aïe. Aïe. Il cache des trucs quand même, donc Aïe. Ouais, j'ai peur. Aïe, oh, il a vache. Okay.
Ouais, je l'ai peut-être mal géré ça. Peut-être que je pouvais faire autre chose avec. À tous les coups. C'est le boss. PewDiePie. J'ai oublié le paille. Waouh. Calme-toi. Fâche. Waouh. C'est quoi ces boss là? C'est infernal. Ouais, punaise, waouh. Je vais essayer de réduire la difficulté pour voir un peu ce que ça donne. Oui, d'accord, il y a des seeds auxquels je peux garder pour pouvoir refaire les mêmes niveaux. Bon, là, je vais rien pouvoir faire, évidemment. Ah, je peux faire un redémarrage rapide de ce que j'ai vu aussi. Je vais essayer de le mettre en normal pour voir. Ordinaire. Personnage. Je vais tester l'autre, du coup. Personnage. On va tester Anna. On va tester Anna et on va voir ce qu'elle donne. Évidemment, on va peut-être pas en faire 2 heures pour la découverte, mais... Oh, ok. On va voir un peu ce qu'on peut faire déjà. Alors c'est quoi? Ah d'accord, on peut faire des coups de couteau. Elle, c'est son attaque secondaire, donc c'est bien. Ok, je pars avec une clé pour débuter. Ok, donc ça c'est un familier pour plus tard. Il me faut 10 pièces pour ouvrir ce truc. Ok. Ah, je préfère déjà ça, hein. Je préfère des... Oh la vache, j'ai pas vu ça. Ok, deux familiers. J'en ai... Ils ont pas encore éclos, hein. On verra. On verra ce que ça peut donner. Voilà. J'ai que 8 pièces, donc je pourrais pas aller bien loin. Ok, il y a le boss en bas. Donc on va pas y aller tout de suite. On va essayer de récupérer quand même du matos avant. Ça serait bien. Ça m'arrange. Je sais pas trop à quoi ils servent ces cristaux violets. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Augmente votre type de déplacement, vos dégâts d'armes et vos dégâts de mêlée. Ouais, c'est en mode Doom, quoi. C'est le Doom Slayer. Hein. Ah, c'est les douilles, en fait, qui tombent quand on tire. Très bien. Ah merde! Ah oui, d'accord, donc il peut ne rien y avoir à l'intérieur. Ça doit être au bout d'un certain nombre d'ennemis alors. Ok. Ah, j'aimerais bien avoir un premier familier pour voir ce qu'il y a dedans. Ok, clé. Voilà, fleur, tire automatiquement des balles qui se divisent sur les ennemis à la mort. Ça, j'aime bien. Il y a un petit côté. Il y a un petit côté, du coup, avec ces petits familiers qui te suivent de Binding of Isaac. Un peu. Je trouve. Il y a ce petit côté-là. 3 cristaux. D'accord, c'est pour ouvrir les portes à cristaux. Ok. Alors. Acheter météore. Et je peux pas. Je peux pas parce que j'ai pas assez. Je vais acheter un cœur quand même. Merci. Ok. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le principe du jeu. Ok, les cristaux qui me servent à ouvrir les trucs. Là, il me faut une grenade pour passer.
je peux pas grimper, je peux rien faire par ici, malheureusement. La grenade était trop chère. Et bah je crois qu'on va être obligé d'aller se taper le boss en fait. Allez, let's go. Ouais, j'aurais pu utiliser le téléporteur même. Attends, c'est ici. Ok, voyons voir. Alors. Donc c'est censé lui tirer des trucs dessus aussi. Hein. Alors effectivement, en mode normal, tu fais beaucoup plus de dégâts au boss. Hein. Effectivement. C'est même un peu trop facile. Hein. Le mode normal est un peu trop facile, je trouve. On repassera en mode difficile. Hein. Ouais. Ouais, le mode normal est un peu trop facile. Néon Abyss. Cadence de tir. Ok. Ouais. Ouais, le mode difficile était mieux quand même. Plus de challenge. De challenge. Comme dirait l'autre. Alors. On va aller voir les salles qui sont là. Cadence de tir améliorée, ça fait du bien. Ouais, il y a un petit côté Binding of Isaac, je trouve, qui est pas pour me déplaire. Hein. En un peu différent, mais il y a un petit côté Binding of Isaac, je trouve. C'est le côté, genre peut-être le côté ensanglanté. Ah oui, non, non, le côté néon fonctionne très bien, que ça soit au terme de musique ou de... Direction artistique, c'est nickel. Hein. Ouais, ouais. C'est vraiment très cool. Hein. J'ai une grenade. Non. Il est disponible sur Nintendo Switch aussi. Il est disponible sur Switch. Il est sorti il y a un petit moment maintenant. Mais j'avais pas eu l'occasion de le tester. Donc je me fais à ce petit plaisir là, comme souvent, les jeux indés, je les teste quand je peux, j'en teste pas mal mais je les teste quand je peux surtout. Ah, la cadence de tir elle fait du bien. Ok, téléporteur. Ouais, j'ai une clé, on va aller voir. Le boss est à droite. Deux cristaux, je peux. Vas-y, je prends tout, je prends tout, je prends tout. Je prends tout. Bam. Ah d'accord, il y avait même encore un truc derrière. Si j'avais une clé en plus, on aurait pu y aller. Est-ce qu'on se tape le boss maintenant? Ou on essaie de se faire les autres salles? Je pense que... Bon, allez, vas-y, on y va. Allez, soyons fifous. Dieu de la course, oula. Il va me rouler dessus, lui. D'accord, ok. Waouh, waouh, j'adore. Je kiffe quand il y a des patterns comme ça. Mais le mode normal est trop simple. Le mode normal est trop simple. Je persiste à dire que le mode normal est trop simple. Il y a le mode facile, normal et difficile et j'aurais dû rester en difficile. Je voulais tester mais là je dois avouer que je m'attendais à... Merde. Bon, je me suis fait avoir bêtement. Ah oui d'accord, ça améliore mon tir. Oh, pas mal ça. Ah, ça améliore drastiquement mon shoot même. Waouh waouh waouh. Ok, là ça devient un peu plus hard. J'aime. Ouais, il y a ce petit binding côté Binding of Isaac mais défilement horizontal que j'aime bien. Voilà, là j'aime bien quand il n'y a pas de difficulté. C'est quoi ce truc hein? Ok, je chope des boucliers en plus. Augmente le niveau d'arme, ok. Ah c'est ça. Ah, peut-être un familier supplémentaire. Ah mais j'avais pas vu que j'avais un deuxième familier. Attends, c'était quoi celui-là? Tire automatiquement sur les ennemis, tire automatiquement des balles qui se divisent sur les ennemis. Ok, cool. Ah oui, ils ont des PV aussi par contre. Faire attention.
Et si je me fais toucher, c'est eux qui prennent pour moi, j'ai l'impression au début. Ah, ils ont des armures en plus. Ok. Attends. Merde. Là. Il n'y avait rien. Je kiffe beaucoup ce jeu. Ah, cool. Mes personnages peuvent prendre des levels aussi, ça c'est drôle. Ça c'est une très bonne idée aussi. Donner un niveau d'expérience aux familiers, c'est sympa. C'est pas con, hein. Ah, c'est très kiffant. En fait, c'est kiffant et ça fonctionne bien. C'est fluide, c'est tu passes d'un truc à l'autre rapidement. C'est assez jouissif sur l'évolution du perso aussi. Ouais, du coup celui-là il était vide. Celui-là il était vide. Ce qu'il y a par ici. Ah! Oh, incroyable! Incroyable! Bon, j'ai bien fait d'ouvrir cette porte. Hein. Bon, là, on devrait avoir quand même quelque chose dans un des œufs. Ah, oh, donc 3, excellent. Qu'est-ce que j'aime! Pourquoi j'ai pas fait ce jeu avant? J'espère que je vais avoir des trucs de fou derrière aussi. Dans les œufs que j'ai récupérés là. Ah, je peux pas aller là-haut. Je sais pas comment le claquer, ça. Ah, d'accord, c'est une caisse juste pour grimper. Attends, ça doit être juste pour grimper. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est une caisse. Ah merde. Ouais. J'ai une caisse pour grimper là. Ou pas. Ah attends, si, attends, attends. Cool. C'est ça. Cool. Ok, j'ai un peu d'argent.
aller voir. J'ai le boss en bas. Alors, qu'est-ce que je peux acheter? Acheter météore. C'est une nouvelle arme. Des larmes tombées du ciel. Vous pouvez ouvrir les serrures avec une explosion incroyable. Incroyable. Oh, j'aime cette arme. Attends. Mais what the fuck. C'est incroyable. Incroyable. Et ça c'est quoi? Déverrouillé. Y'a quoi là-dedans? Ah oui, ok. Je sais pas. Chaque fois que vous tirez, tu as été un ennemi, vous avez une chance de laisser tomber des boucliers supplémentaires. Ok, bah très bien, je prends. Putain, c'est un gros kiff ce jeu. Forcément. Après j'en ai déjà pas mal donc ça m'étonne pas que je commence à y en avoir des vides hein. C'est quoi le dernier que j'ai eu là? Augmente la hauteur de votre saut quand il vous suit à la mort. Augmente constamment votre hauteur de saut de manière temporaire. Ok. Ok bah on va aller se taper le boss alors. Vas-y go. Bonjour à ceux qui débarquent. Allez go le boss. Voyons voir. Dieu du bitter que du bitcoin. Excellent. Excellent. Waouh. Ouais, par contre, il fait mal, hein. Ouais, ok. Oh, bien joué, bien joué, bien joué. Joli, joli, joli. Il est chaud, il est chaud. Et en fait, les gemmes dorées, c'est quand je bute des boss, je crois. Ah, c'est ça, j'en ai 3. Déverrouiller la salle d'arcade. Ok. Et c'est quoi, c'est là? Labo, bureau, peut-être? Non. Bon, bah écoutez, c'est totalement validé. C'est totalement validé, ce jeu. Ouah, il y a tellement d'armes différentes. Et tellement de petits trucs aussi à faire éclore. Oh, je kiffe. Ah bah, Team 17, de toute façon, ouais, c'est Team 17 qui est derrière. Donc ouais, c'est un peu comme Devolver. On sait que quand ils font quelque chose, en général, ils le font bien. Non, c'est totalement validé. Néon Abyss, là, c'est un très très gros oui pour moi. Hein.